Le lancement de la ligne DS en Côte d'Ivoire a eu pour cadre les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France à Cocody. S'associant à la traditionnelle soirée vin et fromage, sous l'égide de maître de la confrérie des fromages de France, CFAO a dû adapter les lieux afin de présenter la ligne DS et de recevoir ses 450 invités dans une véritable salle des fêtes. Les équipes CFAO se sont mises à la hauteur du produit en faisant montre d'innovation pour aménager le site. Sur la base d'une armature métallique soudée, couverte d'une double épaisseur de contreplaqué croisé, a été posé un carrelage bicouleur en grès céramique polybrillant. L'ensemble a nécessité 2500 mètres de barres d'acier, 1700 mètres carrés de plaques de contreplaqué, 800 mètres carrés de carreaux de 40 par 40, 500 mètres de câbles électriques, 100 kg de peinture et a employé 40 personnes pendant une semaine pour la mise en place. Et 25 personnes pendant 5 jours pour le démontage. Pour mettre en valeur la ligne DS dans la zone de la manifestation, il a fallu construire une rampe d'accès de 15 mètres et 3 podiums d'exposition. En raison des intempéries habituelles et de la chaleur qui règne en cette saison, l'endroit a été couvert par 2 toiles tendues de 400 mètres carrés chacune et équipées de 40 armoires de climatisation. Ces images de pluie et la déchirure d'une des tôles lors d'un orage 2 jours avant la soirée montrent combien ces précautions n'étaient pas superflues. La fête dansante prévue pour la clôture de la manifestation se tenait sous un préau aménagé d'une piste en tôle galvanisée de 120 mètres carrés, entourée de barres lumineuses, avec en élévation une plateforme transparente suspendue dans laquelle se tenaient les DJ. La salle comprenait 43 tables réparties autour d'un buffet de plus de 60 variétés de fromages pour un poids total de 180 kg acheminés spécialement par avion pour la circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'appelle au titre de chevalier Son Excellence Monsieur Georges Serre, ambassadeur de France. L'année de ses 125 ans de présence en Afrique, le groupe CFAO connaît ces derniers jours un mouvement capitalistique source des plus diverses interprétations. Le groupe PSA, quant à lui, est dans la tourmente, décrié et montré du doigt par les plus hautes autorités de l'État. Ne le cachons pas, nous avons souhaité profiter de l'arrivée de la ligne DS en Côte d'Ivoire pour pousser un double cocorico. Le premier pour souligner que le groupe CFAO et peut-être tout simplement précurseur des années à venir. Le deuxième cocorico pour redorer les couleurs de Citroën du groupe PSA. Groupe que j'ose qualifier comme le dernier constructeur automobile de l'Hexagone. Bien que plutôt malmené ces derniers temps, le groupe PSA n'en reflète pas moins une image et un savoir-faire très français. Précurseur en Afrique depuis 1924, avec l'organisation de la Croisière Noire, Citroën s'efforce de préserver l'identité et le patrimoine de la marque en lançant la ligne DS déclinée avec ses 3 modèles, DS 3 et 4 et 5. Je ne vous abreuverai pas de descriptions techniques fastidieuses. Je vous invite simplement à découvrir auprès des commerciaux qui se tiennent à votre disposition ces 3 modèles. Vous y retrouverez tout le savoir-faire de la marque en matière de créativité et de technologie. Vous apprécierez ses conceptions audacieuses et le raffinement de ses designs. Nous souhaitons dès à présent vous solliciter gentiment à créer des billets de Congola dont la recette ira vers 3 œuvres sociales pour la Côte d'Ivoire. Thank you.
La soirée a pris fin vers 3h du matin, mais l'exposition de la ligne DS a été maintenue pendant 8 jours sur le site de la résidence afin d'agrémenter la visite de M. Bertrand Delanoë puis celle du ministre de l'Économie et des Finances, M. Moscovici. Un lancement réussi à la hauteur de la ligne DS.